pas invisible. Soignez-nous, aidez-nous. C'est le message de la porte-parole des personnes atteintes de troubles mentaux. L'artiste Mixiana là-bas mène des campagnes pour sensibiliser les populations et les pouvoirs publics sur la situation de ces personnes, pour la plupart exclues de la société. Son spectacle de rue baptisé « Réalité aveuglée » sonne comme un cri du cœur. C'est une performance qui consiste à sensibiliser la population. Il n'y a pas que la population ici, le gouvernement, pour la prise en charge des malades mentaux. Justement parce que nous constatons que dans notre vie, les malades mentaux sont abandonnés. Dans son rôle de malade mental, Mixiana là-bas joue sa pièce avec tout le caractère et le mutisme correspondant. Une attitude qui la plonge dans la peau d'une déficiente. Ça fait vraiment mal au cœur. Parfois, c'est une mère qui a des enfants. Et quand ils voient leur maman dans cet état, c'est encore de la douleur. Il faut que l'on trouve un endroit pour les loger et les traiter au lieu de les abandonner dans la rue. Ces personnes marginalisées font partie du décor des rues et avenues de Pointe-Noire, fouillant les poubelles de la ville à longueur de journée. Leur prise en charge reste un défi social auquel la jeune artiste attache beaucoup de regrets. Depuis 1996, il n'y a pas de centre psychiatre. Ils ont fermé, ça fait 24 ans. Et donc ces malades déambulent dans les rues de Pointe-Noire, sans soins, sans suivi. Même la famille aussi qui néglige ces gens, alors que ce sont juste des personnes qui ont besoin d'attention, d'affection, qui ont besoin de l'entourage pour leur soutenir. Outre l'absence d'un centre d'accueil spécialisé, le régime de la société témoigne de l'ancrage des préjugés et stéréotypes. Et le recours aux soins médicaux n'est pas toujours la première option prise par les familles des personnes malades. Vous savez que la maladie mentale chez nous a beaucoup d'interprétations. Nombreux pensent que c'est un cas de sorcellerie, d'autres, c'est un sort lié à la magie, d'autres encore, non, c'est l'hérédité. Alors donc devant cette critique, on se dit, il est nécessaire quand même que la population congolaise soit renseignée au sujet de la maladie mentale. En attendant le succès de sa mission, Mixiana là-bas se promet de continuer son combat pour une meilleure réintégration sociale de ces personnes atteintes de troubles mentaux.